N'a dit bonjour, bonsoir à nos toutes petites papa bon Dieu qui vivent tout partout en hauteur. C'est pour nous tous ensemble, nous exalter dans le Seigneur pour bien faire lieu envers nous par Jamtari. Nous disons merci parce que après-midi encore, nous prenons plaisir immense pour nous continuer à suivre nous, à écouter nous et à prendre part ensemble avec nous dans ce message ça que Papa Bon Dieu voulait pour nous continuer et nourrir la batterie spirituelle nous, pour nous capables d'avancer dans le voyage là vers la Canaan céleste. Merci beaucoup et puis félicitations et compliments pour nous tous. Maintenant, sans nous pas tarder, on a passé à mon épouse Conan pour salutations d'usage. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Après-midi, mais nos amis que nous voulons saluer. Nous saluons Biraka Salomon. Nous saluons Madeleine Charles. Nous saluons Rachel Elisma. Nous saluons Ribin Riboul. Nous saluons Noadia Salomon. Nous saluons Chama Salomon. Nous saluons Ancien Versius Dieudonné. Nous saluons Saint-Hilaire Linda. Nous saluons Béatrice Ferrier. Nous saluons Joseph, Ancien Joseph Laoche. Nous saluons Daouloun Denis. Nous saluons Jeanne Germain. Nous saluons Judnel Dorjela. Nous saluons Jasmine Alizé. Nous saluons Adassa Salomon. Nous saluons Yannick Jérôme. Nous saluons Delma Vilsain. Nous saluons Marie-Samuel Abraham. Nous saluons Sinal Jean-Milien. Nous saluons Wenzor Saint-Cyr. Nous saluons Esterwa. Nous saluons Ancien Symbole Jean-Baptiste Yvon. Nous saluons Ilna Janit. Nous saluons Richardson Germain. Nous saluons Jimmy Apollon. Nous saluons Yasmine Pierre. Nous saluons François Renaud. Nous saluons Pierre Renat. Nous saluons Loveta Moïse. Nous saluons Jocelyn Dupénor. Nous saluons Keda Piram. Enfin, nous saluons Alexandre Madla. Merci. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. J'ai faim, j'ai soif de ton pardon, et je l'éplore comme don. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardonne-moi.
de moi. Pour que je reste en ton chemin, prends-moi toi-même par la main, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, reste avec moi. Et pour que jure dans ton palais, roi de justice, roi de paix, tu m'introduis auprès de toi, Jésus, demeure en moi. Oh, oh, demeure en moi. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, je vous remercie de ce que vous faites nous grâce, nous vivons toujours en cet après-midi. Merci de ce que vous faites nous grâce aussi, nous trouvons nous ensemble pour nous capables de continuer à instruire nous dans ta sainte parole. Nous demandons au bon Dieu pour faire nous grâce, pour nous capables de faire le vide dans nous-mêmes et permettre que nous soyons capables d'ouvrir. Pour capable de recevoir ce message que vous avez pour nous après-midi, question pour nous capables de fortifier nous et avancer dans la route là qui conduit en spirale vers ton homme de gloire et de félicité. Bénis toute petite rio, fais-nous grâce pour nous passer ce moment bien. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Yon invitation pour que nous-mêmes, en tant que petite Papa Bon Dieu, pour ne pas gagner aucun qualificatif de chien comme animaux. Chien, c'est un genre de mammifère carnivore impur. Parlant de chien, qui ça, Papa Bon Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 23 et le verset 18. Il dit, pinga nous, poté, pris, yon chien, nan maison li, pour nous accomplir un vœu quelconque, parce que chien, li en abomination, devant moi-même l'Éternel. Ça veut dire qui ça? Si nous gagnons un vœu pour nous être capables d'accomplir vis-à-vis de bon Dieu, si c'est un chien que nous gagnons nous mettre à la vente, et bien il dit pinga poté pris ça, la chance ça dans maison li parce que chien c'est une bête qui en abomination devant l'Éternel. D'après Deutéronome, chapitre 23 et le verset 18. Chien, c'est symbole faux pasteur. Chien, c'est symbole faux ouvrier. Chien, c'est symbole faux circoncis. Dans Philippiens 3, verset 2, il dit: prenez garde aux chiens, aux faux ouvriers et aux faux circoncis. Philippiens 3, verset 2. C'est pour nous faire attention à chien yoki, ce symbole
de faux pasteurs, c'est pour nous faire attention à faux ouvriers, c'est pour nous faire attention à faux circoncis. C'est comme si, d'après auteur de livre ça, c'est des ratements de souffle que vous voyez. Il a fait pâte de velours. Et puis, ces affaires que vous avez réglées. Donc, c'est ça que fait le dîner, c'est pour nous prendre garde à chien ça, yo, à faux ouvrier ça, yo, à faux circoncis ça. Yo. Dans Esaïe 56, verset 10, il dit, gardien ça, yo, c'est des aveugles que vous voyez. Aveugles, sur le plan spirituel. Bien sûr, gardien ça, yo, y'a pas gain aucune intelligence. Il dit, chien ça, yo bébé, y'a pas même qu'à japper. Chien ça, yo couché, yo dans sommeil, et y'a pas rêvé. Esaïe 56, et le verset 10. Ok? C'est tout cela que nous sommes parlé là, que l'apôtre Paul dit pour nous capables de prendre garde. De yo, c'est faux pasteur, c'est faux ouvrier, c'est faux circoncis. Il dit gardien, bon gardien ça yo, son bon aveugle yo. Bon gardien ça yo, yo pas gagné aucune intelligence. Il dit bon chien ça yo, yo bébé. Même jappé ou pas ka jappé. Yo couché, yo nan sommeil, c'est rêvé. Il a pu rêver. Donc, ouais, comment moi-même avec vous, en tant que petit bon Dieu, mon cap servi bon Dieu, nous pas de gain qualificatif de chien en tant que animaux. Maintenant, il y a l'autre déclaration que nous avons considérée, c'est la dernière pour cet après-midi. Nous trouvons dans Apocalypse. Chapitre 22 et le verset 15. Qui ça le Seigneur pour le faire vis-à-vis de chien yo, de faux circoncis sa yo, de faux ouvriers sa yo, de faux pasteurs sa yo? Dans Apocalypse 22, verset 15, le Seigneur dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ok? Le Seigneur pourra le shooter, il pourra le mettre au dehors, il pourra le chasser tout, tout chien ça, tout enchanteur ça, tout impudique ça, tout meurtrier ça, tout idolâtre ça yo, tout ça yo qui remet mensonge et qui a pratiqué mensonge, qui pas parlé dans ligne droite, qui pas dit la vérité. OK, mais c'est monde qui a réglé les affaires à yo. Le Seigneur pourra le mettre au dehors. Apocalypse chapitre 22 et le verset 15, il dit dehors bon chien, dehors bon enchanteur, dehors bon impudique, dehors bon meurtrier, dehors bon idolâtre. Nous tous ces là yo qui remet mensonge et qui a pratiqué mensonge. Donc, chers frères et amis, nous tous qui te prenons résolution pour nous capables arriver servir bon Dieu, nous n'yons pas doué arriver à marquer le pas sur place. Pour nous faire bac en arrière, pour nous prêter dans bout de route, dans bout de chemin, pour ne pas courir le risque, pour nous capables de faire partie de bons chiens, de bons enchanteurs, de bons impudiques, de bons meurtriers, de bons idolâtres, comme quoi pour nous faire partie de monde qui remet le mensonge et qui a pratiqué le mensonge. Voilà pourquoi le Seigneur invité moi-même avec nous tous ensemble en tant que petit bon Dieu
pour ne pas avoir aucun qualificatif de chien en tant que animaux. Alors que nous avons traversé le dernier moment, l'histoire de la terre, Jésus, effectivement, lit à la porte. Eh bien, le Seigneur voulait invitation ça pour nous, après-midi, pour nous faire attention, pour nous prendre précaution, et puis, pour nous capables de ranger les affaires, nous, corriger les cahiers, nous, mettre devant nos propres, mettre pendule nous à l'heure, pour que, quand le Seigneur Jésus va faire son retour sur les nuits du ciel, pour le capable d'accueillir nous à bras ouverts, pour le capable de dire nous autres, qui pas un qualificatif de chien comme animaux, hein, qui t'a parlé dans la ligne droite, venir prendre possession au royaume qui t'est préparé pour nous dès la fondation du monde. Sœurs et frères et amis, que la parole du Dieu vivant continue à habiter vos cœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Soyez donc toujours sobres, soyez donc toujours sages, restez toujours confiants, soyez toujours conséquents et surtout, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Prions. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous vous remercions d'être que vous continuez à nourrir nous avec parole. Après-midi, vous montrez-nous comment il est nécessaire pour nous capables de prendre garde à chien, à faux ouvriers, à faux circoncis, à ces gardiens aveugles, à ces gardiens sans intelligence, à ces chiens qui pas même capables de japper, qui bébé, à ces chiens qui couchaient, qui n'ont sommeil, c'est rêvé, y a rêvé. Tant pour s'il vous plaît, fais-nous grâce pour nous capables de pas suivre yo, parce que y a jeté nous dans trou. Et comme ça, nous va capable arriver détruit. Aidez-nous pour nous capables de gagner Jésus comme guide suprême la vie nous. Aidez-nous à mettre parole en application dans la vie nous de façon pleine et entière pour nous capables de joindre grâce beaucoup tôt lorsque petit Jésus sauve nous, retourne sur les nuits du ciel pour nous capables de vivre l'éternité bienheureuse. Après-midi, une fois de plus, nous demandons d'être capables de bénir tous nos frères, toutes nos sœurs, les jeunes, les adolescents et les tout-petits. Quel que soit côté où est, du septentrion au midi, de l'Orient à l'Occident, nous demandons d'être capables de bénir tout pour nous au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous demandons également pour capables de continuer à accompagner tout cela qui ont responsabilité quelconque au niveau de l'œuvre, au niveau de l'Église. Fais-nous grâce pour être capable d'aller dans la bonne direction avec l'aide de ton Esprit Saint, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Béni ou bien béni. Nous sommes capables de bénir tout petit ou les amis qui continuent à suivre, à écouter, à prendre part. Ils ont consenti à de grands sacrifices, dans pile bagaille, ils ont manqué. Mais les laisse arriver, yo fait tout effort pour pas rater occasion ça yo pour yo instruire dans parole. Béni ou bien béni pour nos papa bon Dieu au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous mandons bon Dieu pour capable songer malheureux yo, nécessité yo, veuf yo, veuve yo, orphelin, orpheline yo, prisonnier yo, malade yo, les agonisants, les démunis, les déshérités du sort, les pauvres, les misérables, mon Dieu, ça au cap souffri, les laisser pour contre, ça y qui pas gain ni relé ni répondre, personne pour vouloir à leur secours. Changez-le, s'il vous plaît. Gagnez pitié pour yo. Fais-vous grâce, fais-vous faveur, fais intervention pour la vie yo, et fais-vous gagner mieux être pour ta gloire et pour ton honneur au nom de Jésus. Bénis-nous pour nous de toute qualité, bénissons dans le ciel, au nom de Jésus par le Saint-Esprit.
Nous demandons encore après-midi pour capable songer tous les parents, toute famille, nous, tout ça qui est cher pour nous, que nous remet, apprécier, considérer pour te haut dans le cœur, quel que soit côté, mon Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Haïti, encore à l'étranger, s'il te plaît. Voler à leur secours, aidez-vous également pour être capable de choisir, faire volonté pour qu'au dernier jour, yo capable parmi monde sauver, yo béni yo mon Dieu de toute qualité bénédiction dans le ciel. Et béni toute petite yo à travers la terre habitée. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Fais-nous grâce, fais-nous faveur, fais-nous du bien. Nous prions comme ça mon Dieu, dans nos petites où Jésus sauve nous, qu'à vivre et qu'à prier avec toi, ensemble avec le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères et amis, encore après-midi, on a demandé nous pour nous toujours qu'un bered pas laguer. Toujours qu'un bered pas mouli, résister toujours jusqu'au bout. Combattre le bon combat. N'a dit nous bon courage en Jésus. Et c'est pour nous capables rester là en nous avancer ensemble jusqu'au dernier soupir. Si papa bon Dieu prête nous la vie, nous va rencontrer la prochaine fois. En attendant pour nous capables de rencontrer, nous disons merci en pile, en pile, en pile et au revoir.